Bonjour à tous, je voudrais commencer un peu à faire un préambule, comme bien Alex l'a expliqué. Merci Alex. C'était surtout pour bien expliquer toutes les choses qu'on a fait. Je comprends qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas tout à fait bien expliquées, spécialement parce qu'on a pris la parole à différents moments, avant chaque match, depuis des conférences de presse. La dernière fois qu'on a pris la parole pour bien expliquer les changements, la situation, c'était après le départ de Jorge Sampaoli. Commence juillet, commence de la préparation, seulement conférence de presse de quelques joueurs, etc. Et c'est bien de faire un point, faire un bilan, bien expliquer à tous nos supporters pourquoi est-ce qu'on a fait les choses. Je considère, nous, comme équipe de direction, on considère que ça, c'est quelque chose que c'est du respect. Et c'est toujours dans la culture qu'on a de transparence maintenant dans les clubs. Nous sommes contents. Je vais commencer à dire que nous sommes contents, spécialement parce que le principal objectif qu'on avait pendant ce mercato, c'était d'utiliser le mercato d'été pour changer une chose qu'on considère que c'est fondamental au club, la culture. Qu'est-ce que c'est la culture? Pour nous, c'était deux mots. Ambition et exigence. On considère que tous les changements qu'on a vécu pendant l'été sont liés à un changement qu'on voulait faire en transformation dans la culture du club. Bien sûr, dans les coachs, on a vu des changements, dans les joueurs, dans les profils des joueurs, dans la direction, bien sûr, dans les salariés. On veut faire agrandir le club. On veut continuer avec une direction de transformer le club, transformer la culture, avoir de l'ambition et avoir de l'exigence. Ça part d'une situation d'alignement. Ça part du propriétaire. On a eu pendant tout l'été beaucoup de conversations avec les propriétaires de quelle direction on voulait donner au club. On était tous d'accord. Propriétaire, l'équipe de direction, les coachs, les joueurs. On comprend que dans tous les procès, c'est difficile d'accepter les changements. C'est difficile de changer. Encore plus difficile de changer dans les moments qu'on a fini 10e la saison dernière, avec une qualification en Champions League. Je comprends beaucoup de nos supporters, je comprends beaucoup entre vous, journalistes, que vous vous dites, bon, une équipe qui finit des chaînes, pourquoi on doit changer? On voulait changer, on voulait prendre une direction différente, on voulait prendre une direction pour opter pour un club plus exigeant, avec une mentalité différente. Je crois que dans le terrain, on voit petit à petit ces changements. J'ai demandé de la patience. On avait dit des jours que Jorge Sampaoli est parti, on disait bien clair, calme, patience, ça va être un mercato difficile, ça va être un mercato patient, on doit faire les choses intelligemment. Pourquoi est-ce qu'on a fait des différents changements? On voulait faire un effectif avant des joueurs. Finalement, j'avais dit dans des différentes conférences de presse, on va avoir des joueurs par position. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, je sais, parce qu'on a 100 défenseurs centrales, mais on a analysé au dernier moment la question de Kolasinac, qu'il nous a donné des satisfactions dans des matchs, dans des entraînements, à faire cette position double entre défenseur central et des pistons à gauche. On est content et on a cherché de réduire aussi le nombre de joueurs en défense pour donner aussi la possibilité à des joueurs comme Isaac Touré, qu'on a fait un fort investissement, à pouvoir s'agrandir et lui donner de l'espace, avec ces possibilités toujours de faire jouer Kolasinac dans les deux positions. Dans le reste des positions, on a cherché de tenir, dans les moments avec la présence de Cédric Bakambu comme un joueur offensif en plus. On connaît les conditions de Cédric. Content, un joueur de contre-attaque, ça peut être utile pour nous pendant la saison. Il y a beaucoup de matchs. Avant la Coupe du Monde, on a seulement un jeu, une semaine pleine. Sans match d'ici à fin novembre, ça va être compliqué. On a besoin de tout le monde. C'est pour ça qu'on donne toujours le message. On a besoin de tous les joueurs qu'on a à disposition. Mais aussi pourquoi on croit que c'est bon de tenir 22 joueurs dans l'effectif, parce qu'on a fait aussi des investissements dans des jeunes joueurs. On a vu arriver des joueurs comme Elmas, Serra, Yacossi, des différents joueurs qu'on a achetés parce qu'on croit. Avec un effectif réduit, c'est important aussi pour la suite du projet d'avoir des jeunes joueurs qui, petit à petit, ils peuvent intégrer l'équipe première. ça c'est en question que aussi comme investissement et projet du club, c'est très important pour nous. Ces changements de mentalité, ces changements de culture, qu'est-ce que ça signifie pour nous? On a changé coach, on a changé la mentalité. On avait besoin aussi des joueurs adaptés à cette idée de jeu. Pour ça qu'il y a un nombre de changements que c'est... Toujours, j'ai dit, et on considère, Javier et moi, dans les différentes équipes, même si tu ranges, c'est bon d'avoir un renouvellement de l'effectif. Normalement, même si tu ranges entre 7 joueurs, 8 joueurs, ça c'est sain. Si tu as un changement de coach, tu es obligé à faire plus de changements. Spécialement quand on passe d'un football, un football complètement différent, parce qu'on considérait que c'était dans la bonne direction et c'était ce qu'on souhaitait faire comme club. Si vous me posez la question, on aurait pris cette direction la prochaine saison. C'était un peu l'intention qu'on avait comme club de tourner vers un football plus vertical, plus physique. On considère de jouer un football, entre guillemets, plus européen. Pourquoi jouer un football plus européen? Considère que le football, tu dois avoir un objectif bien clair, que c'est d'améliorer ton effectif saison par saison, mais aussi d'avoir un équilibre économique. Pour nous, avoir un équilibre économique, c'est important. On cherche d'avoir un équilibre cette saison. Avec les mercato qu'on a fait, on considère qu'on est dans une situation économique maintenant positive, avec un potentiel vente, on pourra discuter plus tard, de Bamba Dieng. Vraiment, la situation économique du club, ça nous permet de pouvoir penser avant les 30 juin prochains d'arriver dans une situation économique très positive. Je suis content de dire ça, parce que la situation économique maintenant dans le football, c'est important. Toujours, on a dit, notre objectif, c'est de faire du football avec les moyens qu'on a. La situation économique du club, maintenant, c'est positif. C'est un message que je vais faire passer. C'est un bon message. Et on a cherché avec nos moyens, d'améliorer l'effectif. Toujours chercher, un jour après l'autre, d'être meilleur. Ça, c'est le message qu'on voudrait faire passer. Une équipe améliorée. Une équipe qui n'a plus de culture, qui n'a plus de mentalité. On a recruté des joueurs adaptés pour cette modalité de jeu, mais surtout avec une chose importante. Ce n'est pas seulement des joueurs de football, des profils, des techniques. C'est aussi la question mentale. Je crois qu'on a passé avec des joueurs qui mentalement sont plus forts. Beaucoup de joueurs sont arrivés avec de l'expérience dans le match européen. On a cherché des médecins dans l'effectif, avec un mix entre différents âges. On a recruté des jeunes joueurs, on a recruté des joueurs plus experts. Ces mix, on les considère positifs. Un bon groupe. Quand on achète un joueur, on n'achète pas seulement un joueur technique. On achète la personne. On achète comment il va s'intégrer dans un groupe. Comment il peut s'intégrer avec une ambiance de 6 gens qui est supérieure à ce qu'on avait. C'est pour ça que ça nous a posé, c'est la vérité, des différentes questions d'adaptation. Quand tu dois changer une idée, normalement, toutes les personnes ont des difficultés à accepter des changements. Mais on arrive et on continue. On a vu sur le terrain, dans ce mois d'août, que l'équipe répond, qu'il a de la mentalité, qu'on joue différemment, qu'on a un profil différent des joueurs. Nous sommes très contents de cette transformation, nous sommes très contents du mercato qu'on a fait. Pour ça que, bon, maintenant je vous laisse nous poser des questions, me poser des questions, spécialement sa limite de questions, sa limite de temps, comme ça on peut discuter de tout ce qui s'est passé pendant le mercato. Bonjour Président, on a bien compris le message, surtout le fait que vous soyez content de ce mercato avec toutes les difficultés qu'il y a pu avoir liées au début de l'été et à tous ces changements. Vous parlez d'un équilibre financier qui est positif. Pour revenir, bon, on a beaucoup parlé des achats de joueurs lors des différentes conférences de presse, mais pour revenir sur l'équilibre entre les ventes et les achats de joueurs, on peut se poser la question qu'on n'a pas eu de grosses ventes cet été, véritablement. On n'a pas eu de joueurs à 30 millions, 40 millions. Dans ces... est-ce que vous pensez que l'OM arrive bien à vendre? Très question relationnée. Et je vous pose une question, et bonjour. Quel est champion de vente? Parce que je ne connais pas aucun championnat de vente. Ça, c'est la première question. Spécialement, la situation économique actuelle du club nous a permis de tenir notre meilleur joueur. Les joueurs avec les valeurs marchandes les plus importantes, on est en capacité maintenant de tenir tous ces joueurs et c'était un choix du club. Il y a des différentes offres qu'on a refusées pour des joueurs importants, mais on voulait tenir cette situation parce qu'on voulait bien gérer la situation économique. Il y a des questions de l'économie de football. L'économie de football, ça ne se mesure pas avec l'achat et les ventes des joueurs. Il y a beaucoup de paramètres. Il y a les paramètres des salaires, l'amortissement, il y a les paramètres de comment est-ce qu'on fait des sponsors. Finalement, il y a des questions que pour moi sont les deux indicateurs les plus importants dans le football. C'est la trésorerie et c'est les résultats nets comptables à la fin de l'année, à la fin de la saison. Dans ce moment, on est dans une très bonne position. Il y a des différentes questions, Champions League, de l'argent des CBC, des différentes questions qui permettent d'améliorer la situation des clubs français. Il y a la situation aussi à la fin de la saison qui se relationnait avec les résultats d'exploitation pendant la saison. Dans ce moment, on considère que nous sommes dans une position confortable. Ça serait plus confortable s'il y a l'en-vente, comme on avait fait, de Bamba Dieng, spécialement parce que c'est un plus-value net sur notre bilan avec un joueur qui était acheté au-dessus de 300 000 €, etc. Ça te pose un plus-value net que ça te permet d'améliorer ton résultat économique à la fin de la saison. On est favorable. On est dans une situation que peut-être que les résultats sportifs, ça te pourra améliorer la situation. On a encore un mercato d'hiver, on a encore un mercato avant le 30 juin. Et on considère que nous sommes dans une situation positive pour faire un très bon résultat économique à la fin de la saison. Bonsoir Pablo. Il y a eu beaucoup d'arrivées, 12. Il y a eu aussi beaucoup de départs. Beaucoup de supporters s'interrogent sur l'un d'eux, sur celui d'Arkadiusz Milik. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui vous a poussé à vous séparer d'Arkadiusz Milik pour un prêt avec option à la Juve? La question sur Arkadiusz Milik, c'est une question de profil. Ce n'est pas une question de niveau. Finalement, c'est un joueur qui joue avec la Juventus. Premier match, il arrive avec seulement un entraînement. Il arrive, il joue. Deuxième match, il rentre à le terrain, il marque. Je crois que mettre en discussion, comme on a toujours fait, le niveau des joueurs, c'est difficile. C'est une question plutôt de profil. On a cherché de nous adapter toujours à la nécessité du coach et à ce qu'on voulait mettre en place, avec un style de jeu très particulier et on peut dire que très marqué, qu'on commence à voir avec l'équipe qu'il cherche de mettre en place notre coach Igor Tudor, avec lequel nous sommes très contents, particulièrement. En question de profil, c'est toujours en discussion dans le football à niveau philosophique. Qu'est-ce que tu préfères, avoir le niveau des joueurs ou avoir les joueurs les plus adaptables au ton système de jeu? Ma réponse sera toujours avoir les joueurs les plus adaptables à ton système de jeu. Si dans les mêmes moments, tu peux avoir un joueur de niveau, c'est important. Mais ça te pose une autre question philosophique dans la création d'une équipe et dans la gestion psychologique d'un groupe. On considère que les salaires les plus hauts dans l'effectif doivent être les joueurs les plus importants à l'intérieur de l'effectif. Pour moi, ça c'est de la santé à l'intérieur d'un vestiaire. Quand tu te regardes dans un vestiaire, tu vois tes coéquipiers et tu te penses, je suis bien payé avec ma fonction dans l'équipe ou non? Ça, c'est le motif de notre décision. Et spécialement de pouvoir placer dans un des meilleurs clubs à niveau européen, on tient la valeur des marchands des joueurs en cherchant de toujours tenir les valeurs dans le futur des joueurs, spécialement avec un joueur qui, par le moment, à la Juventus, avec son dernier match, il est en train de performer. Bon, je vous laisse boire, mais tout d'abord, première question individuelle sur un joueur, notamment Bamba Dieng. Est-ce qu'on peut concrètement savoir qu'est-ce qu'il en est dans tout ce dossier, finalement? Merci. Bon, je crois que tout le monde lit les réseaux, les journaux, les nouvelles. Mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a un joueur sous contrat avec l'OM, qu'il y avait un accord entre clubs, et que maintenant, c'est un joueur que l'accord qu'on avait, ce n'était pas acté entre clubs. C'est un joueur qui est sous contrat avec l'OM, qu'il doit continuer dans nos effectifs, c'est normal. On connaît les trois qui sont les joueurs professionnels. Dans le moment qu'il revient, il aura tous les trois comme tout le reste des joueurs. Et ça sera une décision sportive du coach, comme avec tous les autres joueurs qu'on a à l'intérieur de l'effectif. Si de faire jouer ou pas, ça c'est en question, mais la chose importante, c'est la logique aujourd'hui, à cette heure. Vous avez récupéré Harit, bon celui-là vous le connaissez déjà. Est-ce que c'est vraiment celui-là que vous vouliez ou est-ce que c'est encore une fois un choix par défaut parce que d'autres éléments n'ont pas pu être récupérés? Bonjour. La question d'Harit, c'est une question... C'est une bonne question et ça parle de comment on voulait acter sur le marché avec la patience et on peut dire de trouver les bons moments de faire les opérations. À dire la vérité, avec la situation d'Amine, c'était une situation qu'on parlait avec Igor depuis le moment qu'il arrivait. On toujours a le nom d'Amine, spécialement parce qu'on connaît très bien Amine. Amine, c'est un joueur de déséquilibre. Dans notre effectif actuel, on n'a pas beaucoup de joueurs capables de dribbler, d'avoir des déséquilibres. Dans beaucoup de matchs, c'est un profil de joueur que c'est très intéressant à voir dans son effectif. Il l'a démontré pendant la saison dernière, en étant un des joueurs importants dans les trames finales de la saison pour nous qualifier en Champions League. On a cherché toujours d'avoir cette idée d'Amine et on a compris que dans les derniers jours de Mercato, on aurait une possibilité d'avoir les joueurs dans une situation économique les plus favorable. Ça, c'était le motif pour lequel on a attendu jusqu'à la fin. Bonjour, Président. Alors, vous avez parlé de l'équilibre économique et notamment des différentes composantes importantes qu'il faut prendre en compte. Il y en a une qui est très importante à l'OM, c'est la place de la masse salariale depuis plusieurs saisons. Elle est trop importante par rapport aux revenus du club. Est-ce que vous pouvez nous dire où en est la masse salariale du club et notamment par rapport un peu à la saison 2020-2021 que votre ancien coach, André Villas-Boas, décrivait comme un peu la fin d'un cycle. On sait que la masse salariale était très importante à ce moment-là. Est-ce qu'actuellement la masse salariale est plus importante, moins importante, au même niveau? Et quel est votre regard sur ce sujet généralement? C'est une question importante sur l'économie du football. Pour moi, un indicatif simple de la masse salariale, c'est un indicatif que c'est un chiffre. Comme tout chiffre, il faut mettre dans un contexte en général. Quel est le contexte actuel du club? Pour moi, la masse salariale... Pour la santé économique d'une équipe, il doit se situer pas seulement la masse salariale, parce que qu'est-ce que signifie la masse salariale? On peut acheter des joueurs à 1 million d'euros et payer 10 millions d'euros net de salaire. Ou on peut payer un joueur 100 millions d'euros et lui payer 500 000 de salaire. Qu'est-ce que ça change? La question importante, c'est de mettre tout ensemble. Des amortissements annuels des joueurs, des salaires des joueurs, charges sociales, commissions agents, et tous les coûts opérationnels du club, des scouting, salaire du coach, etc. Ça, mettre en considération tous les ventes que tu as fait, les plus-values, spécialement en train de diviser, parce que si on prend les plus-values nettes que tu fais pendant une saison et tu la mets ça c'est pas un équilibre de santé du club. Tout en contexte, normalement, on fait les calculs avec les plus-values des joueurs pour ça que tu vends. On cherche de diviser en 300. Ça doit correspondre pour la santé d'un club entre les 60 et les 70% de tous les revenus que tu as en total du club. Ça, c'est comment on comprend le football. De chercher de donner entre 60 et 70% de l'activité du club ou sportif. Parce que nous sommes un club de football. On a mis le football dans les centres de projet. C'est normal que les 70% des revenus du club soient destinés à tous ces conglomération entre amortissement, salaire des joueurs. Maintenant, pour les calculations qu'on avait fait hier soir, plus ou moins, nous sommes autour de 1,69%. Ça veut dire qu'on est dans un bon ratio. On est aux limites, parce qu'on a pris la décision qu'on club de porter le club dans une situation un peu de risque, parce qu'on verrait aussi les résultats sportifs. Mais à l'intérieur. Et si on prend, et pour donner toutes les explications, parce qu'on a dit, ça limite de temps, ça limite de questions, on va tout expliquer. Et si on prend toute la masse salariale du club, cette saison, il y a une forte amélioration, mais c'est lié surtout à des questions. En question qu'il y a 3 joueurs la saison dernière qui sont à placer en partie de leur salaire qu'il va computer avec la masse salariale de cette saison. Okay? Il y a la deuxième question, qui sont toutes les primes des joueurs qui sont liés à la Champions League. Bien en façon individuelle, qu'il y a beaucoup de joueurs qui, par contrat, ils sont en cas de jouer les 50% des minutes de qualification à Champions League, ils sont en prime, qui vient à computer sur la masse salariale de cette saison. Et il y a aussi la question des primes collectives que cette saison, ça se situe autour de 4 millions d'euros. Romain, du coup, s'il te plaît. Oui, bonsoir Pablo. Je voulais revenir sur le volet des ventes. Alors, les achats, on a compris et ça a été plutôt bien géré. Donc, c'est pas vouloir pointer à tout prix ce qui ne va pas, c'est juste pour comprendre. L'OM a fini deuxième, il n'y a pas de championnat de vente, mais l'OM a fini deuxième du championnat. Et c'est le défenseur du quatrième du championnat, à savoir Nayef Aguerd, qui a été recruté par West Ham pour 35-40 millions d'euros. Et l'OM, le défenseur de l'OM, Douye Tchaïtatsar, est parti le dernier jour du mercato pour beaucoup moins. Chaque club a réussi à faire des ventes comme ça en France. Lyon a vendu Lucas Paqueta. C'est pas pour dire on est jaloux des autres clubs, c'est juste pour les autres clubs de Ligue 1 arrivent à vendre des joueurs très chers. Et on a l'impression qu'à chaque fois, l'Olympique de Marseille, et ça dépasse le cadre de votre présidence, c'est pas le cas. Est-ce que vous avez une explication? Est-ce que c'est il faut passer par les bons agents, les bons intermédiaires pour ce championnat et qu'on se refuse peut-être à le faire? Voilà, quelle explication avez-vous à ça? Dans quelle position a fini Chelsea la saison dernière? Je pose la question à l'équipe qui a gagné la Champions League il y a 2 saisons. Ils ont vendu à 53 millions d'euros cette mercato. L'analyse est plus grande, c'est pas dire d'un joueur, un club, un autre club. Pour moi, c'est une question liée spécialement au niveau des joueurs qui te vendent. Ça, c'est la première chose. Niveau, c'est toujours niveau. Deuxième chose, pour moi, c'est la duration du contrat des joueurs que tu vas vendre. Ça, c'est une question aussi que ça te met les prix. Troisième question, les salaires que tu as à l'intérieur du club. C'est vrai, on peut poser beaucoup de réflexions, on peut se poser beaucoup de questions sur la masse salariale de l'OM. Si c'est une masse salariale pour ton niveau, c'est pas une masse salariale pour ton niveau. Spécialement parce qu'on considère qu'à niveau des masses salariales, on se peut positionner entre les 30 meilleurs clubs européens à niveau des masses salariales. Si on ne compte pas la Première Ligue, vraiment, ça devient chaque saison un championnat différent. Pour moi, c'est plutôt lié niveau, duration du contrat. Niveau des salaires des joueurs, c'est plus facile vendre un joueur avec un salaire plus faible que vendre des joueurs avec des salaires plus chers. Parce que normalement, tous les clubs ont fait les calculations. Si tu dois payer beaucoup de salaires, tu payes moins de transferts. Pour moi, c'est une question liée surtout à la dimension de chaque club, les niveaux de salaire, spécialement les marchés, ils te mettent les prix. Quel club il vient t'acheter des différents joueurs, les profils des joueurs que tu as. À titre individuel, je pose la question. Je crois qu'aujourd'hui, dans le football, les joueurs qui se vendent les plus chers, et peut-être aussi un des motifs de changement qu'on a mis à l'intérieur des clubs, sont les joueurs les plus physiques. Je crois qu'à niveau des physiques, les joueurs physiques, ils sont à un niveau d'attiration dans les marchés, spécialement parce que les marchés qui achètent plusieurs, c'est la Première Ligue. Dans ce moment, si tu n'as plus de joueurs physiques, je crois que tu n'as plus de possibilités de vendre des joueurs à la Première Ligue. On a pris la direction aussi de jouer ce type de football. On jouait un type de football complètement différent et c'est vrai que ça met en place les valeurs de marché de beaucoup de joueurs techniques. Mais on voulait aussi, et on a pris la décision de partir vers une direction physique pour être plus compétitif, mais aussi parce qu'on croit que dans les marchés actuels, la situation des joueurs qui sont la composante technique et la composante athlétique, ils peuvent prendre beaucoup plus de marché, spécialement on a vu les valeurs de marché des joueurs de l'AS Verona. Bonsoir Président. Quand on discute avec les supporters, les observateurs innombrables de l'OM, ils disent de tout. Pablo Longoria, c'est un magicien, c'est un phénomène, il est extraordinaire. Et les mêmes disent, en revanche, on n'a pas très bien compris la gestion du cas Bamba Dieng. C'est-à-dire, est-ce que c'est vous qui, par exemple, avez dit à Igor Tudor, bon, on le met à l'écart pour peut-être le vendre? Est-ce que hier, ce qui s'est passé à la visite médicale, est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce qui s'est passé? Est-ce que vous étiez en colère aussi vis-à-vis du président de Leeds? Est-ce que vous allez peut-être aussi, même si vous avez dit que c'était un joueur de l'OM, essayer de le vendre dans les autres mercatos qui ne sont pas terminés? Et puis, dernière question, beaucoup s'interrogent aussi pourquoi peut-être avoir pris Luis Suárez pour à peu près la même somme que vous obtiendrez pour Bamba Dieng, qui est un attaquant extrêmement prometteur. Est-ce que vous pouvez répondre un petit peu à tout ça? Bon, on commence de la fin et on commence à faire toute l'histoire. Il faut dire une chose. Pour ma vision du football, la vision aussi qu'il a Igor Tudor, Dans le moment qu'un président il doit prendre une décision sur un joueur dans l'effectif, dans ce moment, le président et les coachs doivent partir. Je le vois comme ça. Le président, il doit faire le président. Les coachs, il doit faire les coachs. On a pris seulement une décision, tout le monde ensemble. Coach, nous comme équipe de direction, aussi avec les propriétaires, que c'était qu'aucun joueur il serait dans son dernier rang de contrat, dans sa façon de libérer. Ça, c'est l'unique décision qu'on a prise, mais on l'a prise tous ensemble. Jamais on a pris la décision de mettre à l'écart un joueur, spécialement parce qu'avec quel motif? Descente de contrat, Valentin Rongier, il a descente de contrat, Pape Gueye, il a descente de contrat. C'est pas logique, spécialement parce qu'on part d'un joueur qui a de la performance de la saison dernière, on part d'un joueur qui est champion d'Afrique avec le Sénégal, un bon joueur. Il y a un changement. Comme dans tous les changements, il y a des gens avec une capacité, s'adapter à la nouvelle situation. Après, c'est le coach à décider dans chaque moment quel joueur il va avoir à disposition dans son effectif. C'est au coach de faire les choix techniques chaque week-end, chaque match amical, chaque entraînement. Si ça ne serait pas comme ça, un club de football jamais peut fonctionner. C'est ma vision du football. Passe à la question de pourquoi on a recruté Luis Suárez dans sa position de Bamba Dieng. Simplement parce qu'on considérait que c'était la meilleure option pour améliorer l'effectif. Sans question de profil. Sans question, on a considéré comme équipe de direction. Le temps dira. Simplement ça. Après, dans tous les jours de notre vie, on prend tous les jours la décision qu'on considère la correcte. Parfois, ce n'est pas la plus correcte. Mais on est convaincu qu'on a pris la bonne décision. On est très content avec Luis Suárez. C'est un bon joueur, c'est un bon profil pour ce qu'on recherchait. En plus, le nombre d'attaquants qu'il y a en circulation, spécialement avec une tranche d'âge entre 22 et 25 ans, ce ne sont pas beaucoup. Visite médicale, Bamba Dieng, qu'est-ce qui s'est passé? Simplement, et c'est simple, ce sont des différentes visions médicales. Il n'y a pas d'autre. Différentes visions médicales. C'est ça qu'on peut dire. Ni s'il considère dans sa visite médicale, notre docteur considère une autre chose. Les joueurs, il n'a pas eu de blessures musculaires, des blessures la saison dernière, seulement avant le dernier match contre Sarrebourg, que dans l'entraînement, il a cherché de faire un talonnade. C'est une bêtise. Lui-même, il a reconnu pour faire un talonnade, il s'est blessé ici dans les tendons, derrière. J'ai le même cas avec Condor-Biel dans un match avant Manchester United à Valence. La même blessure. Je lui dis de tout aussi. Et... non, tu ne peux pas faire des talonnades comme ça. L'unique. Et notre docteur, depuis le moment qu'il est arrivé au club, pour les centres de formation, après il est passé pour les premières équipes, dans tous les tests médicaux qu'on fait, nos docteurs l'ont considéré apte pour l'autre niveau de compétition. Les docteurs de l'équipe de Sénégal l'ont considéré apte pour l'autre compétition avant de la Coupe d'Afrique. Ils ont gagné. Zéro blessure. Pendant la Coupe d'Afrique. Je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait passer hier. Mais il y a des différentes visions médicales sur les joueurs. Ça, c'est la réalité. Colère, pas colère. Non, simplement il y a un accord. On a arrivé à un accord avec la journée d'hier, qui c'était un peu classique journée du dernier jour de mercato. Il y avait un accord. Les joueurs, ils voulaient aller à Nice. C'est son choix. On a trouvé un accord entre clubs. Après l'accord, c'était pas acté. La dernière question, c'était il y a encore des mercatos. Est-ce que c'est une possibilité que même si encore une fois que Bamba Dieng soit recruté comme joker par un autre club ou qu'il aille en Turquie ou au Portugal? Les jokers sont ouverts jusqu'au 31 décembre. Le marché en Turquie s'est ouvert jusqu'au 8 septembre. Portugal, 22 septembre, si je ne me trompe pas. Il y a un marché ouvert.